Bonjour, Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Donc, je suis moi-même hypersensible et empathe et j'aide les personnes empathes et hypersensibles à s'accepter, à s'aimer et surtout à développer des stratégies pour vivre en alignement corps, cœur, esprit. Aujourd'hui, je vous présente une capsule que j'ai préparée un peu plus spécifique pour les empathes. Dernièrement, j'ai vu une vidéo qui parlait de la fatigue ou de la grande fatigue que les empathes peuvent ressentir. Par période, parfois sur des périodes prolongées. Donc, j'avais envie aujourd'hui de vous donner 3 trucs pour gérer cette fatigue-là. Mais avant, je voudrais vous donner 3 raisons qui expliquent cette fatigue. Donc, la première raison, c'est très important de savoir que comme empathe, plus on ouvre notre conscience, notre niveau de conscience, plus on va développer une grande sensibilité à ressentir l'énergie qui nous entoure, que ce soit des lieux ou des personnes. Donc, cette sensibilité-là qui augmente va faire qu'on va ressentir de plus en plus les énergies négatives aussi, dépendamment des situations. Donc, cette perception de l'énergie négative-là va amener notre corps à se contracter un peu vers l'intérieur, comme si on se refermait pour se protéger, dans le fond. Donc, c'est comme un processus normal de protection. Mais cette contraction-là peut être maintenue sur plusieurs heures si on n'en est pas conscient de un, puis deuxièmement, si on reste dans un environnement qui ne nous convient pas. Donc, si vous, par exemple, vous êtes dans un milieu de travail qui est négatif pour vous au niveau énergétique, soit à cause des personnes que vous côtoyez ou de l'énergie qui s'en dégage, bien, imaginez si vous êtes plusieurs heures durant la journée dans cet état de contraction-là physique. Donc, c'est sûr qu'à la longue, ça va être très fatigant. Donc, vous allez ressentir beaucoup de fatigue d'être dans cet état de contraction-là. La deuxième raison qui peut expliquer les grandes fatigues chez les empathes, je vais pousser un petit peu là, au niveau des concepts ce matin. Notre corps émet une énergie, donc selon différentes fréquences. Quand on est empathe, on développe en général le niveau vibratoire, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus augmenter la fréquence d'énergie de notre corps par période. Donc, on monte de niveau vibratoire. Puis pendant ces périodes de transition-là, où on ouvre notre niveau de conscience, on développe notre ressenti, on se connecte de plus en plus à ce qu'on sent, bien, de s'adapter à ce changement vibratoire-là au niveau de la fréquence, ça va être énormément énergivore. Donc, on peut ressentir beaucoup de fatigue pendant ces périodes-là de transition où on est en train de changer de fréquence vibratoire. Je vous dirais aussi, bon, comme je vous dis, c'est fatigant juste de s'adapter à ce changement-là qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire quelques années parfois. Je dirais que ça se passe de plus en plus rapidement, c'est-à-dire que plus on s'adapte à ces changements de fréquence vibratoire-là, plus on peut faire ça sur des courtes périodes. Mais ce que je veux dire aussi au niveau de l'énergie, ou plutôt de la fatigue durant ces changements-là, c'est qu'en plus, quand on traverse ces périodes de transition-là, on a automatiquement besoin de faire du ménage. Donc, on va avoir beaucoup de nettoyage à faire, de guérison au niveau de blocage, de croyances limitatives. Donc, c'est ça. Toutes ces transitions-là dans le corps vont occasionner de la fatigue que vous allez pouvoir ressentir. Troisième élément qui peut être associé à de la fatigue chez les empathes, je vous dirais, c'est la fatigue qui vient par période pour vous faire un petit signal d'alarme. C'est-à-dire que vous allez ressentir de la fatigue quand vous vivez des situations qui ne sont pas en alignement avec qui vous êtes, qui ne vous conviennent pas, donc qui sont négatives pour vous. Donc, ça peut être en un sens une bonne chose de ressentir ces vagues de fatigue-là. Si vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas ou dans une relation qui ne vous convient pas,
cette fatigue-là qui va arriver par vague ou qui va rester là dans votre corps, ça va être important pour vous de l'observer puis d'essayer d'analyser justement quel élément peut vous amener cette fatigue-là. Donc, c'est juste d'en prendre conscience. Donc, ça peut devenir une sorte d'allié, cette fatigue-là aussi, pour vous dire de faire des changements. Bon, maintenant que je vous ai expliqué un peu plus qu'est-ce qui pouvait occasionner de la fatigue chez les empathes, qu'est-ce qu'on fait avec cette fatigue-là? Donc, j'en suis au truc pour gérer ou apprivoiser ces moments de fatigue-là. Donc, premier truc, ça serait de prendre des actions nécessaires pour faire des changements. Donc, si vous avez analysé que la fatigue vient d'une relation qui vous draine trop ou d'un travail qui ne vous convient plus, premièrement, c'est d'accepter que vous devez faire ce changement-là, de lâcher prise, mais vraiment de prendre des actions concrètes à votre rythme, évidemment, mais pour faire ce changement-là. Parce que tant que le changement ne sera pas fait chez les empathes, on ne pourra pas faire une déconnexion puis de dire « Ah, c'est pas grave ». Non, le corps va toujours vous ramener à cette fatigue-là pour vous faire un signe, pour vous dire « Ok, j'ai besoin de faire un changement pour être en alignement ». Deuxième truc aussi qui peut impliquer beaucoup de lâcher prise, c'est juste d'accepter justement que vous êtes dans cette période de fatigue, d'accepter que vous êtes dans une période de transition. Donc que ça ne durera pas pour toujours, ça ne durera pas éternellement. Puis je vous dirais d'honorer aussi, de vous honorer davantage pendant cette période-là, de prendre soin de vous davantage. Donc ce qui est à éviter, c'est tout ce qui peut être comme très stimulant pour votre corps, puis de vous mettre encore plus dans un état qui stimule votre système nerveux sympathique. Donc, comme par exemple, d'essayer d'éviter le café, entre autres. Le café qui peut vous mettre toujours comme dans un état d'alerte, qui est très mauvais pour votre système nerveux, qui est déjà bombardé d'informations pendant ces périodes de transition. Je vous suggère de faire le plus possible des activités pour vous mettre justement dans un état de calme. Donc, on parle de différentes activités que vous aimez, qui peut être comme la marche, le yoga, la méditation, d'avoir plus de soins de type Reiki, de la massothérapie, l'acupuncture, l'ostéopathie. Donc, ce sont tous des trucs qui peuvent vous permettre de prendre soin de vous pendant ces périodes de transition-là. Et le dernier conseil que je vous donnerais, c'est pas vraiment un truc... Bon, c'est un truc aussi, mais c'est vraiment juste de savoir que tout passe. Dans le fond, c'est vraiment de se rappeler constamment que cette période-là n'est pas éternelle. Donc, cette période de fatigue-là, si on prend les moyens nécessaires pour faire des changements, va être passagère. Puis aussi de se rappeler justement de prendre conscience que quand on est en train de changer de type d'énergie, de fréquence vibratoire, ben c'est ça. C'est un état qui est transitoire. Puis comme je disais tout à l'heure, ça peut être de plus en plus court quand on s'habitue. Notre corps s'habitue à changer de ces niveaux d'énergie-là. Donc, comme je vous dis, les concepts étaient un petit peu plus poussés ce matin. C'est vraiment pour les gens qui sont empathes, qui sont vraiment très sensibles puis plus ouverts à leurs ressentis. Mais je pense qu'il y a quand même des conseils là-dedans qui peuvent convenir aux personnes hypersensibles aussi pour prendre soin de votre énergie. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit lien en dessous. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous, c'est très important, puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!